Il reste un tam-tam par terre si vous voulez. J'ai pas eu une attitude exemplaire à la façon dont j'ai voulu gérer la situation, c'est sûr. Il y a eu aussi des, franchement, des mauvais concours de circonstances et un pas de bol monumental. On est juste eu marre et à la fin j'ai... À la fin je faisais plus d'efforts du coup pour, tu vois, pour faire les choses bien. J'ai pas de dents envers, envers qui que ce soit et envers le CDT. C'est humain de l'avoir, d'avoir de l'animosité à mon égard. Je vais quand même faire passer ton message. Bah, dis-leur juste bonne continuation de ma part, mais honnêtement quoi, sans ironie tu vois, c'est sincère. Bah, je voulais me présenter déjà, tout d'abord je suis Bill Bird, le patron de l'entreprise. Yep. Toi tu peux en prendre combien? Bah je peux en prendre, j'ai encore 10 kilos là. Placé en détention à partir de 17h, on va être gentil, ça va être 17h55. Ça durée de 30 minutes minimum. Pour détention de mètres et trafic de mètres. J'espère pour toi qu'il n'y a pas d'effet d'accoutumance, mon pote. Il faudrait t'en faire plusieurs, plus souvent, sinon. Jetson! Ça t'excite? On fait le truc à deux, donc ah, on, oui, on donne, ce qu'on, ouais, on s'en ouais. branle le, des sources de revenus. Oui, tu donnes ce que t'as envie de donner, je donne ce que j'ai envie de donner. Tu oui, gardes oui, un montant suffisant pour pouvoir te faire plaisir et vivre, tu vois. Oui, 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 mais comme on fait tout à deux. Et vous habitez ici alors? J'habite ici, ouais. C'est sympa ouais, ici. C'est... Juste là, là. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la drogue, monsieur Guignan? Pourquoi cette question? Je vous demande, qu'est-ce que vous pensez de la drogue? Bon, ça détruit les gens, mais. C'est un peu comme les armes, quoi. C'est un business à part entière. Je vous donne un exemple. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui venait vous voir et qui vous disait, allez, pour vous faire un peu d'argent supplémentaire, va vendre quelques pochons en ville. Est-ce ouais. que vous diriez oui ou est-ce que vous diriez non? Si j'étais dans une situation difficile, je dirais oui. Mais là, ça va. Mais là, ça va. Vous êtes très influent, seigneur. Vous m'avez donné faim, là. Mais par exemple, là. Ouais. Dans un moment, vous voyez, là, vous avez à côté, enfin, à côté de moi, vous avez un jeune cadet, là, qui. C'est son deuxième jour, hein. C'est ça, un régal, hein. Ouais, deuxième. Vous voyez, pour faire vraiment un contrôle total, je vous dis tiens, est-ce qu'on ferait pas un exercice, enfin une mise en situation de fouille? Si par exemple là il venait à fouiller sur vous, est-ce qu'il trouverait des choses qu'il n'aurait pas dans son... Soit c'est un exercice, mais la façon dont vous menez le discours, elle est très orientée, très directe et je trouve ça limite outrageant. Ouais, police bon, police abusive alors. Ouais, police abusive clairement. Mais c'est vous qui partez sur la défensive, nous on a rien. Ah bon, vous trouvez? Ok, non, moi je trouvais que c'était vous qui étiez sur l'attaque. Au moment où je vais me coucher, j'aime pas qu'on me prenne voilà, au pied du lit, ça m'irrisse. Voilà, c'est au pied de votre escalier, seigneur. Si vous allez sur le palier ici, c'est le plus confortable. Hein. Après, vous vous faites prendre comme vous voulez, hein. C'est pas mon problème. Hein, mais... Moi, personnellement, j'aime bien prendre au moment où je vais me coucher. Hein. Ah, bravo, c'est fin ça. Ah bah, j'ai l'impression qu'on dit vague. Non, pas du tout. Bon, vous voulez me fouiller, oui ou non? Non, on va pas vous fouiller, on va oui. pas vous fouiller, seigneur. Go. Ramener quelque chose d'ici mercredi soir. Je pense que c'est faisable. Ouais, c'est... ouais, ça dépend de ce que c'est, le quelque chose. 100 sacs de ginette. Ouais. Ouais. Et après, si tu fais ça, tu fais grand chose. Salut. Ouais, mec. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez besoin de quelque chose? Non du tout, et vous?
Ah ben non, j'ai cru... Non, c'est pas arrivé, j'ai cru que vous aviez un accident, c'est pour ça. Bon, allez, je voulais pas vous déranger. Bonne soirée. Pas de problème, pas de problème. Bonne soirée à vous. Pas de problème. Bonsoir. Ouais. Vous êtes en train de faire ce que je pense ? Eh ouais. Ah merde, ok. Donne-moi 40. Ok. Une petite chute de mon balcon. Alors, vous m'arrêtez pas. Et bon, je me sens pas en grande forme là. Je suis tombé sur la fesse droite en plus. Et là, c'est ça. C'est un peu bleu. Normal. Alors, c'est rose là. Non. Ouais, bonjour. Ça ? Ouais, désolé hein, pour l'écart. Oui, oui, effectivement, ça fait... C'est mon téléphone qui a vibré, je fais un coup de volant et... D'accord. Faut pas regarder son téléphone en conduisant. Non, surtout que c'est la deuxième fois et la première fois il m'est arrivé ça, quoi. D'accord, oui, oui, on va éviter. Ouais. Bon, ça serait bien peut-être d'aller voir les mécanos là, du coup. Bah ouais. Je faisais une course et j'allais y aller. D'accord. Ce Guigen, G8, GEN. Ok, très bien. Bon, en fait, attends, tu vas éviter le téléphone au moins. Ouais, désolé. Pas de soucis. Bonne journée. À vous aussi, au revoir. Shenzhen, j'en ai marre de la vie. C'est fait calme. Shenzhen, j'en ai marre, ça me fait chier. Tu me sens tous de merde. J'appelle le SMS, quelqu'un qui veut suicider. Appelle, je vais vraiment me suicider, ça ne me retiendra pas.